Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur No Plan B, je me suis trompé d'ailleurs, ça commence bien, où on va continuer à faire des escarmouches pour gagner de l'argent, et oui, car il faut de l'argent pour pouvoir acheter des armes, et que le SWAT ne peut pas faire autrement que d'acheter ses armes à la braderie, très bien, c'est parti, alors. Ah mais c'est quoi ce rangement là? Regardez-moi ça ce rangement. Alors, notre ami Poslovitch, spécialiste en fusil d'assaut, va prendre évidemment une M4 ainsi qu'une grenade. Et il va être déployé par contre en deuxième position je pense plutôt. Voilà. Qui on va prendre après? Malvin, évidemment. Malvin. Nous on voulait qu'il soit un spécialiste des fusils à pompe. Alors, est-ce qu'on a un fusil à pompe pour le moment? Non. Donc, ça ne lui sert pas à grand chose. Mais, c'est un homme agile surtout. Fusil à pompe est agile. Est-ce qu'on peut acheter un fusil à pompe? Non. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'il est spécialisé fusil à pompe qu'il ne peut pas prendre un MP7 ainsi qu'une grenade. Et oui. Et là. Inaru. Inaru, évidemment, le guerrier. On s'en souviendra. Et Malice. Malice va aussi venir dans cette mission, la doctoresse de cette équipe. Mais en fait, en vrai, je peux déployer tout le monde, je m'en fous, parce que nous sommes en... on est en escarmouche, donc déployons tout le monde. Voilà. Alors, le signe noir, évidemment, se met en retrait, hein, des troupes. Car, bah, c'est le signe noir. Voilà. Et il a peur. Il a un petit peu peur... de rentrer en premier. Voilà. C'est important à signaler. Alors. On doit aller ici et là. C'est une bonne idée. Alors, là, on a une porte où on voit là aussi. Là, si on rentre, il y aura un mec là. Donc, le mieux, en fait, ce serait de ne pas toucher à cette porte et de rentrer par là. Ouais, ça serait mieux. On peut pas rentrer par ici, hein. On n'a pas de zone de déploiement. Donc, je pense que... ouais, mais là... Voilà. Là... Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Hop là. Et tu vas rentrer tout de suite, Malvin. Malvin, le guerrier, n'a pas peur. Évidemment. Et ensuite, tu vas te mettre là. Ça, c'est très bien. Ensuite, on va avoir Inaru. Inaru, il va attendre. La grenade explose. Malvin se déplace, voilà. Inaru peut se déplacer et avancer ici dans cette pièce. On est d'accord que s'il y a un mec là, il est mort depuis 20 ans. Hein. Évidemment. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Malice, elle va venir. Évidemment, couvrir la zone. Voilà, on a Inaru qui rentre derrière. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et donc, cette zone est maintenant sécurisée. Tout le monde ici a été tué par nos amis. Donc, les derniers, eh bien, ils peuvent donc juste, là, normalement, se mettre quand même voilà, en position de tir. Hein. On n'est pas chez Mémé ici, comme on dit. Voilà. Alors le signe noir, lui, évidemment, vu qu'il s'est mis en retrait, il doit se déplacer depuis 10 minutes. Voilà. Il va attendre que tout le monde soit rentré, vu que c'est le chef de l'escouade, et va rentrer en dernier. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que si un ennemi a une grenade, il nous tue tous. Mais ça, c'est une autre histoire. Bien. Maintenant que tout le monde ici est mort. Il y a peut-être des gens qui vont venir ici, donc on va peut-être attendre un petit peu. Voilà. Attendons un petit peu. Donc là... non, c'est pas ce que je voulais faire.
Voilà. Alors, comment on va se la jouer maintenant? Moi, je dis que on peut avancer tout le monde en même temps. Voilà. Donc, hop, tu vas venir là. Donc là, ils sont tous morts, hein, évidemment. Hein. Sauf celui qui est là. Celui qui est là peut nous aligner la face. Alors, évidemment. Hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Comme ça, celui qui est là, eh bien, il est mort. Enfin, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Alors. Pendant que tout ça se fait, eh bien Inaru, lui, il va venir se déplacer. Voilà. Malvin va se mettre à se déplacer, lui, maintenant. Donc. Voilà, comme là, il est en train de chouf. En avant. On est d'accord que là, ils sont tous morts. D'ailleurs, non. Il y a bien assez de monde qui regarde cette porte. Ta 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 ta. Go. Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Continuons à regarder cette porte, hein, parce que je ne fais pas confiance à cette porte du tout. Oui, je fais confiance à des objets. Ce n'est pas un problème pour moi. Ok. Non. Alors, par contre, on va peut-être revenir un peu en arrière, parce que Inaru, lui... Pendant ce temps-là, pendant que tout le monde se déplace, lui, il va hop, venir ici parce qu'il a une grenade. Il a une grenade. Il a une grenade. Il a une grenade. Alors, parce qu'en fait, je ferais bien quoi que toi. Est-ce que tu pourrais pas envoyer ta greu? Non, ça sert à rien parce qu'ils sont déjà tous morts. Mais oui. Évidemment que oui. Tu les auras tous tués. Mais oui. Donc, on sait que ce champ est libre. Parce que... Voilà. Alors, attends, 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 attends. Hop. Hop. Hop, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est clair. Voilà, toi, tu viens te mettre comme ça. Et toi, tu vois toujours le couloir. Et cette zone est maintenant surveillée également. Il n'y aura plus que des ennemis qui pourraient venir de cette zone-là. Ils sont deux à surveiller cette porte. Donc, toi, tu pourrais très bien venir comme ça ici aussi. Alors, bon, vu qu'ils sont tous morts et qu'on le sait, tu pourrais balancer ta greu. Voilà, dans cette pièce, évidemment. Y aller. Alors non, par contre. En rapide. Voilà. Pendant ce temps-là, on a Inaru également qui va courir derrière toi. De toute façon, ils sont stun, c'est pas grave. Donc il va venir éclairer. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander à Malvin de venir un peu avant d'ailleurs. Si Malvin il vient et il fait open door. C'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Donc là, s'il vient et qu'il fait ouvrir la porte, c'est toujours trop tôt. Ici peut-être? Voilà, il ouvre la porte juste derrière.
Est-ce qu'il va être stun ou pas? Non, il n'est pas stun. Et donc, il va aider ses deux copains à rentrer dans la pièce. Et ça, c'est très bien. Voilà. Pendant ce temps-là, in the same time, on vient remplacer ceux qui s'en vont. Évidemment. D'ailleurs, Malice... Non. D'ailleurs. Hop. Voilà. Et vous? Et vous, et vous, et vous, et vous? Voilà. Quoi, c'est pareil. Tu viens faire ça. Puis on est d'accord que ceux qui sont là, ils sont morts. Hein. Sait-on jamais, quelquefois qu'il y en ait un qui essaye de s'échapper? Alors, bon, ici ils sont tous morts, hein, on est d'accord. Donc toi tu peux te remettre à marcher. Tu avances, tu regardes par là et tu viens prendre les infos. Toi tu vas continuer à courir par contre. Une fois que t'es là, tu vas te remettre à marcher. Tu vas faire ça et tu vas faire ça. Voilà. Malvin, évidemment, quand les gens commencent à se déplacer, tu y vas aussi. Voilà. Bon. Bon. C'est pas si mal que ça. Il faut aller jusque là-bas. Hein. Alors, il nous reste encore du temps. Non. Non, 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 non. Arrête de me mettre la souris où je ne veux pas. Merci. Tac. Alors. Si je te demande de balancer ta greu, jusqu'où tu peux... Ah non, toi tu n'as plus de greu. Toi t'as pas de greu. Toi t'as une greu. Jusqu'où tu peux jeter ta greu? Jusque dans le couloir. Alors par contre j'ai un peu peur. Ah si, c'est bon. On peut le faire. Voilà. Donc la greu là elle part. Donc c'est trop tard. Tu pars trop tard mon ami. Tac 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 tac. Attends. Voilà. Alors. Par contre, tu attends. Et non, pas une seconde. C'est fou. Voilà. Et là tu y vas. Alors là, il y a peut-être un mec, hein, mais ne vous inquiétez pas, on va le gérer. Hop. Non. Et hop. Voilà. Donc. Évidemment. Contrôle. Tac 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 tac. D'ailleurs non. Faux. Faux 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 faux. Voilà. J'ai oublié de changer un truc. Évidemment. Roger. Non. Alors attendez. Toi, tu regardes bien par là. Ok. Maintenant. Hop là. Le signe noir, tu vas là-bas. Voilà, regarde là-bas. Voilà, et maintenant, tac 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 tac. Ok, donc là, cette zone maintenant elle est éclairée, on est d'accord. Toi,
Voilà, on est d'accord que là, s'il y a un mec, il est mort. D'accord. Hein. Et en vrai, là, il reste peut-être un mec. Mais est-ce que le signe noir a besoin de quelqu'un pour l'aider? Je pense que oui. Donc. Voilà. Et tac 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 tac. Voilà. Ça va très très mal se passer. On est d'accord. C'est parti. Attention au massacre. La perte de 15 agents du SWAT. C'est parti. Le temps que t'as mis à tirer, c'est fou. Allez. Regardez-moi ça, cette équipe. Non ! On a perdu quelqu'un, ce n'est pas grave. Mais si, c'est quelqu'un qui devait aller chercher les infos. Merde. Le signe noir, invincible. Il y avait personne. Mission accomplie tout de même. Voilà, donc tout va bien. Mais on a perdu 640 points. Alors on a eu un score négatif, ce qui est assez intéressant. Je dois le dire. Mais ce qui est marrant, c'est que là, on replanifie la mission, on la relance, vous allez voir que les ennemis ne vont pas être au même point, ne vont pas être au même endroit. Donc on peut la refaire et peut-être qu'on va mieux la réussir. Ou moins bien, d'ailleurs. Je sais qu'ils peuvent se déplacer, les ennemis. Voilà, regardez, c'est même pas le même mec qui meurt. C'est ça qui est trop fort. C'est un peu dommage. Le signe noir, hein. Cet homme qui avance seul face à l'adversité. Ah, bah cette fois, il n'aura pas survécu. Et là, par exemple, il n'y avait pas de mec, là, tout à l'heure. Comme quoi. Eh bien, on a eu un meilleur score. Eh bien, oui, nous avons eu 600 points de plus. Voilà, ça, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, la replanification de la mission ne sert donc à rien. Évidemment. Alors, évidemment, notre personnel n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on doit faire, là? Désamorcer toutes les bombes, c'est ça? Mais oui. Est-ce qu'on a assez d'argent pour s'acheter un fusil à pompe? Non, toujours pas. 1300 balles, on a... Ah, on va bientôt pouvoir s'acheter un petit fusil à pompe pour notre ami Malvin. Et ça, ça lui fera très plaisir. J'espère. Je sais que Malvin est un féru de fusil à pompe. Ou pas. Hop, hop. Le signe noir qui a péri lors de la dernière mission. Mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas si mort que ça, au final. Au final, tout va bien. Papillote le docteur. Allez, on y va. Alors. Désamorcer toutes les bombes. Donc on doit être là et là. Alors, il faudrait qu'on rentre là et là simultanément. En balançant une grenade ici, évidemment. Là. Deux mecs ici, un mec là.
pendant que les derniers vont dans cette pièce-là en balançant une grenade, parce que on voit des choses. Ok. Donc, ici, pour moi, ça sert à rien de balancer une grenade, parce que... évidemment, la configuration des lieux fait que normalement, ça ne sert à rien. Alors. Non. Ah, Mured. Ce mur. Voilà. Pourquoi vous ouvrez pas en même temps? Alors, j'ai quand même demandé en même temps d'ouvrir la porte. Bon, après, ça n'a pas l'air si dérangeant que ça, mais bon. Ah si, c'est un peu dérangeant, mais bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Voilà. Alors, ensuite... Ensuite. Voilà. Bon, après, normalement, là, on est d'accord que là, il n'y a plus personne de vivant. Hein. Bon, là, normalement, ils sont morts depuis 10 minutes. Hein. On est d'accord? Normalement, le signe noir peut aller jusque là sans jamais se faire tirer dessus. On est d'accord. Et eh bien, là, mon petit Malvin, lui, il va pouvoir normalement aller jusque là, pareil, sans jamais se faire tirer dessus. Hein? De là, pendant que ça bouge, tac 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 tac, comme ça, s'ils passent par cette porte, ils sont morts. Toi, évidemment, une fois que le signe noir est passé, tu y vas. Non. Hop là, et Malice, dès qu'ils ont commencé à passer, tu y vas aussi. Hein. Voilà. Donc. Maintenant, ça va très très mal se passer. On le sait déjà. C'est ça qui est bien, c'est que on sait déjà que ça va mal se passer. Ok. Là, il y a clairement un mec. Et là, c'est pas bon parce que là, ils peuvent me voir. Donc, tu vas vraiment regarder par là. Tu vas juste faire ça et revenir. Voilà. Pendant que tu fais ça, évidemment, pendant que tu fais ça, eh bien, on a, hop là, Inaru qui vient là, qui vient balancer la greu ici. Voilà. Il rentre comme ça. Malvin, c'est pareil, tu viens rentrer. Et toi, t'as déjà fait tout ton bordel quand la grenade elle pète. Donc là, sur le retour, hop, tac 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 tac. Tac 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 tac, go. Voilà. Cette pièce est sécurisée. Maintenant, on va s'occuper de celle-là. Le signe noir. Papillote. Tac 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 tac.
Et parce que Malice, elle aura déjà été sécurisée cette zone. Et Malice. Papillote aura déjà été sécurisée ça. Allez, 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 allez. Donc, lui, on est d'accord que voilà, il couvre ça. D'ailleurs. Hop, 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 hop. Tu vas venir te mettre là, couvert. Quand même. Et regardez par là. Ok, la grenade explose. La grenade explose. Hop là, le signe noir vient en renfort. Ensuite. Understood. Ok, ça, on a regardé à l'intérieur de la zone. On a Malice qui va arriver. Se mettre à couvert. Balancer une greue ici. Attendre qu'elle pète. Et là, bah. Et là. Et là, vous rentrez, quoi. Hein? Copy that. Deux. Affirmative. Trois. On attend un petit peu. Et Malice, elle va désamorcer la bombe. Et tout va bien se passer. N'ayez pas peur. Vos héros favoris vont mourir. C'est tout ce qui est important de savoir. Quel talent! C'est guerrier. Le signe noir. Imparable. Pourquoi ils ont attendu autant de temps après la grenade? Ok, ennemi down. On sait qu'il y a un ennemi là, on rentre et on le tue. Voilà. Quel talent, même pas un mort, si ça c'est pas la classe. Comme quoi le AK est capable, eh bien, de réussir des missions sans mourir. Quel talent. Et ça c'est du talent. Et oui. Alors, mon petit Malvin, ah, ça va être une exfiltration, on est content. Eh bien, mon petit Malvin, tu auras un super fusil à pompe, voilà, pour la prochaine mission. Mais on verra ça lors d'un prochain épisode. Regarde comme tu seras beau. Allez, bye bye.